Ceci dans une église magnifique, sublime, comme l'église Saint-Jean-Baptiste, qui, à mon avis, est la plus belle église de Québec. Pour quelques chansons, je serai accompagnée du chœur Mont-Royal, sous la direction de M. Jacques Faubert. Alors, sans plus tarder, voici une des plus belles chansons de Noël, Les anges dans nos campagnes. Thank you.
Quel est l'objet de tous ces chants? Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cris triomphants? Venite adoremus.
titre touchant de Jean Lapointe, qui est aussi un artiste très, très touchant. Un enfant pas comme les autres est venu à Bethléem. Il est né pas comme les autres. Il est né comme un poète. Il était vêtu de l'ange, de la paille comme un berceau. De là-haut, le cœur des anges chantait l'hymne le plus beau. C'est Noël sur toute la terre. Paix aux hommes de bonne volonté. Un Noël pas comme les autres a vécu à Bethléem. Un enfant pas comme les autres, le fruit du plus beau je t'aime, passe à travers les âges. Cet enfant de l'immortel leur écrit la plus belle page de l'histoire universelle. C'est Noël sur toute la terre et aux hommes de bonne volonté. C'est Noël sur toute la terre, paix aux hommes de bonne volonté. Merci Jean Lapointe. Que Jésus est charmant, qu'il est aimable dans son abaissement, que d'attrait à la fois n'ont les palais des rois, n'ont rien de comparable aux beautés que je vois dans cette étable. Que sa puissance paraît bien en ce jour, malgré l'enfance de Dieu plein d'amour. L'esclave racheté et tout l'enfer dompté font croire qu'à sa naissance rien n'est si redouté que sa puissance. Que ce soir, c'est pas la chanteuse qui va demander à une petite fille de venir chanter avec elle, mais c'est en tant que maman qui demanderait à sa petite fille Elisabeth de venir chanter « Il est né le divin enfant ». Alors, on va accueillir Elisabeth, ma petite fille. T'aurais un vœu de Noël à faire à tout le monde? Oui. Ce serait quoi? Joyeux Noël à tous les enfants. Oh, je pense qu'ils vont être contents.
j'aimerais vous présenter une chorale qui est très populaire ici à Québec, la chorale V'là le bon vent, pour vous chanter Noël à Jérusalem. Yeah.
Trilayanakti, qui est le prochain chant de Noël, qui veut dire Sainte Nuit, est un chant lituanien qui symbolise pour moi la liberté dans le monde. Car la Lituanie a été le premier pays à demander son indépendance de l'Union soviétique. Alors, amour, paix et liberté est mon vœu le plus sincère pour l'avenir, pour nous tous. Voici Trilayanakti.
Le prochain chant de Noël, c'est un chant qui est très joyeux. Ça chante la nativité du divin enfant. Et j'ai choisi de le faire d'une façon gospel, parce que ça se chante avec un grand sourire éclatant. Alors j'aimerais que tout le monde ici, ce soir, qui sont réunis à l'église Saint-Jean-Baptiste, chante ou ressente cette chanson avec un grand sourire. Un chant que vous connaissez tous, Sainte Nuit. Chaleureux, vous à la maison, un décor magnifique, céleste, accompagné de musiciennes, musiciens, chanteurs, chanteuses, extrêmement bien entourés. Je suis très, très contente que vous ayez été au rendez-vous et j'aimerais vous souhaiter, du plus profond de mon cœur, une année d'amour, de paix et de liberté et un très, très joyeux Noël. Je vous ai préparé un cadeau, une grande finale pour la fin. On a jumelé les deux chœurs, la chorale V'là le bon vent et le chœur Mont-Royal, pour Glory, Alléluia!